Laetitia Matusik pour le projet Bugaloo Zoo. Aujourd'hui, nous sommes avec Phil J.L. Robert. Bonjour Phil. Qu'est-ce que le bougalou? Le bougalou, c'est une musique qui est à la frontière du jazz, du blues et des musiques des Caraïbes. C'est un mix de ces trois styles de musique. Quoi. Donc, comment est arrivée la mode bougalou? C'est simplement des musiciens caribéens qui, entre les années 30 et 70, sont venus mélanger leur culture musicale au blues et au jazz. Ouais. Quels sont les artistes et les morceaux qui ont influencé la musique du projet? Alors, dans la partie jazz un peu moins connue, on va citer Yvan Joe Jones, qui est un guitariste jazz, mais assez funky, quoi, un peu la Grand Green, quoi. Beaucoup moins connu que Grand Green. Dans les musiques plus instrumentales, musique en salut à des feuilletons, on va citer la Lochifrine, okay, ou Isaac Hayes. Alors, la Lochifrine, par exemple, la musique de Manix, ou bien la musique de Mission Impossible, c'est un caractère bougalou. Pour ce qui est des chanteurs, on va citer Ray Charles et un morceau très connu, Tell Me What I Say.